ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en cela: si vous vous en remettiez à Allah comme il convient de s'en remettre à lui, Allah vous donnerait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux qui partent le matin, le ventre creux, qui reviennent le soir, le ventre plein. Comme ça a été rapporté dans Tirmidhi. Il y avait deux frères au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un des deux travaillait. Et l'autre était toujours auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'apprendre la science religieuse. Celui qui travaillait est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au messager d'Allah: voilà, mon frère ne travaille pas, moi je suis en train de travailler. Lui, il apprend la science auprès de toi. Il est venu se plaindre de lui. Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: il se peut que ce que tu gagnes, c'est par sa cause. Car lui, il est là à apprendre la science utile. Et Allah, il met la baraka dans ce que tu fais. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.